s'arracher d'une terre qui retient même les arbres, repousser les frontières, tailler dans le marbre, traverser les forêts, briser les montagnes. 20 ans plus tard, ici, ailleurs, je vous témoigne. Un amour bien caché, des touristes affamés, un village encore immunisé des supermarchés, une plage chaque été, respectable et respectée, de l'air frais loin des fumées de nos foyers. Le café 34, rue de la République, lieu de tous les mensonges, lieu de tous les non-dits. C'était le rendez-vous des décideurs fortunés, le centre de décision d'un paysage ensablé. Des hommes riches et puissants achètent ce diamant face au bleu de l'océan. Face au bleu de l'océan. Face au bleu de l'océan. Landerama, Landerama, on l'a longtemps appelé comme ça. Aujourd'hui le béton remplace les chardons. Landerama, Landerama, roc de sable inébranlable, asphyxié par le tourisme de masse, bien trop naïf. Par le tourisme de masse, bien trop naïf. Pendant des années, au vent violent qui caressait sa silhouette, elle a résisté seulement pendant 2 ans aux investisseurs charmés par sa présence. Voilà maintenant, il épouse et vit là, les maisons d'accueil pour ces touristes-là. Pour ces touristes-là. Pour ces touristes-là. Yeah.